aujourd'hui, nous passons notre journée dans les gorges de l'Ardèche. Et la meilleure manière d'avoir un bel aperçu des gorges de l'Ardèche est de parcourir sa route panoramique. Une route touristique parsemée de points de vue qui longe les gorges entre Vallon-Pont-d'Arc et Saint-Martin-d'Ardèche. Le pont d'Arc, l'arche naturelle de 60 mètres de haut, traversant la rivière Ardèche, est la carte postale de l'Ardèche par excellence. Pour la découvrir du bas, il suffira d'embarquer pour une mini descente en canoë et kayak depuis Vallon-Pont-d'Arc. Ah oui, ça serait pas plus mal. Bien, oui. Je vous vois galérer. Je vais vous la faire. Hein. Plus éblouissants les uns que les autres, les points de vue des gorges permettent de découvrir simplement cet impressionnant canyon long de 22 km, vieux de près de 110 millions d'années et dont les falaises calcaires atteignent par endroits les 250 mètres de haut. Une fois passé le pont d'Arc, les paysages se font encore plus sauvages. On en prend vraiment plein les yeux. Y a pas de chèvre? C'est pas la même chèvre. Hein. Lorsque l'on sillonne le sud de l'Ardèche, il ne faut surtout pas manquer de s'arrêter dans des villages de caractère. Il y en a pas mal à voir, mais voici pour nous l'un des immanquables, Balazuc. L'Ardèche passe également à Balazuc, un village de carte postale, avec ses petites maisons typiques perchées sur des falaises abruptes. Seul problème, sa rue principale, où il est très difficile de se croiser. Un conseil, il faut laisser sa voiture à l'entrée du village et se balader à pied pour une meilleure immersion. Oui, oui, on y va. Ce charmant village de calcaire semble accroché à la falaise. Ses ruelles offrant l'ombre de ses passages couverts, dominés par le clocheton de son église et les vestiges de ses tours. Au 8e et 9e siècle, Baluzac, comme certains villages du Bas-Vivarais, fut occupé par les Sarrasins.